La famille, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'épisode. Et je vous ai pas oublié la famille, sur ma deuxième chaîne, je publierai ma première vidéo le 2 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc allez vous abonner la famille pour ne rien rater. Je comprends pas là, fallait pas récupérer Aiden. Comment je vais faire pour retirer la salle? Sous, tu veux pas récupérer Julie? T'étais au courant depuis le début. Par contre frérot, ça reste entre nous. Les gars, les gars, ils ont pas besoin de savoir. Tu me prends un service. Et je sais très bien qu'il y a que toi qui peux me faire ça. Hey, je vais jamais céder à ton putain de chantage. Tu captes ça ou pas? Prépare-toi à assumer les conséquences. Vas-y, pute le monde. T'as un baiser, toi. Madis, tu vas voir ton fils. Viens maintenant. On y va. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Mais j'en veux de l'argent, gros cul veut mon cœur. Je suis là pour payer. Eh, hey, t'aurais jamais dû tuer Aiden. Ils auraient jamais dû buter mon petit frère. Mais là, t'as buté un gosse. Le petit, il avait rien à voir là-dedans. Je m'en bats les couilles, moi. Juste mettre un. Je crois que tu te rends pas compte. T'as tué le fils à Hassan. Tu crois que ça va s'arrêter là ou quoi? On fait quoi maintenant? Maintenant, on va rentrer en France. On peut plus continuer à rester là. Mais Julie, on en fait quoi? C'est la seule qui peut nous rapporter des talles maintenant. On va faire comme à l'aller. Elle va prendre sa douche, elle va monter dans l'avion. Et qu'elle ferme sa gueule. De toute façon, elle sait déjà. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a que ça recommence. Ça y est. De retour sur Paris. Ça commence à être fatigant les allers-retours au Maroc. Sans le savoir, Becca et Julie étaient dans le même aéroport que nous. Mes gars sont toujours avec moi, malgré les hauts et les bas. Ça bouge pas. Aiden, il est bel et bien vivant. J'ai eu la peur de ma vie, jusqu'à qu'il tousse dans mes bras. Un soulagement. On a récupéré Aiden. Mission accomplie. Maintenant, il manque que Julie. Après, on a fini. Ça commence à me casser les couilles cette histoire. Qu'est-ce que tu me regardes comme ça toi? Tu veux que je regarde quoi? Y'a que toi là. Toi, j'en ai marre de faire ces allers-retours France-Maroc. Tu crois que j'ai que ça à faire du babysitting avec toi là? Bah alors laisse-moi partir. Vas-y. Bah vas-y. C'est très bien, tu peux pas bouger. Donc je te déconseille de faire la manie. Ça s'appelle comment déjà ta petite? Léa. Ouais, bref. À l'heure où je te parle, le dé, il a un œil sur elle. Donc tu vas rester avec moi. Je finis la mission et c'est carré. Et la prochaine fois, arrête de ronfler dans l'avion. Tu m'as cassé la tête. Je l'ai fait exprès. C'est la pluie. C'est la pluie. Oui. C'est rien, ça mouille, mais ça fait rien. Oui. La pluie. Oui. La pluie. Oui. La pluie. Ah ouais. Aiden. Oui. C'est comment pour Souf? Moi, j'ai même pas il est arrivé. T'as même pas pleuré, c'est bien mon fils. T'es un homme toi. Ça va mieux? T'arrives à respirer? Bien. Pousse-toi comme ça.
retour en France, hein. Ouais. Mais quand là-bas? C'est ça? Là-bas, là. Mais qu'une meuf, là. Vas-y, frérot, on vient d'atterrir. Et alors? Je grippe, Béka. Putain, ils vont me suivre jusqu'au bout, ceux-là. Qui? Pablo, Béka. Il a qu'une fille, c'est... Mais c'est Julie, là-bas. Non. Vous voyez pas ou quoi? Non, jamais. C'est vrai, frérot, on vient d'atterrir. Qui? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, avance, avance. Tiens, Ido. Qu'est-ce que tu fais? Un chemin comme un parking, vas-y viens. Tu veux t'amuser avec une voiture ou pas? Tu veux quelle couleur? Ils t'ont rasé? Vas-y, ferme ta gueule, toi! Pété, bâtard! Ah ouais, j'aime pas lui. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont là? Frère, Béka, il a une voiture. S'il a une voiture, il est forcément ici. Écoute, on sépare. Tu vas là-bas, je vais là-bas. Promets qu'il trouve et prévient l'autre, ok? On fait ça. Julie! 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 Vas-y, monte. Monte, Araf! Julie! Pourquoi je crie moi aussi? Va m'entendre, il va partir. Putain. Putain. Je suis sûr, il s'est trompé. Comment toi? J'ai rien trouvé, et toi? Rien. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Frérot, c'était Béka et Julie. Je suis persuadé que c'était eux. T'as déjà vu un kidnappeur faire une teinture? Frérot, qu'est-ce que j'en sais? Il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Je sais pas moi pourquoi il s'éteint les cheveux. Le plus chelou là-dedans, c'est pourquoi le deal était pas avec eux. Là, Zama est avec Béka et Julie tout seul. En plus de ça, Béka il a vu qu'Aiden était vivant. Il va aller tout raconter au dé. C'est la merde. Bref, au but il est mon fils là.
On y va. Donc là, t'es en train de me dire que t'as vu Julie à l'aéroport en France. Exactement. Je suis persuadé que c'était eux. J'ai vu Julie et Becca de mes propres yeux. Je comprends pas alors. Pourquoi il dit que c'était pas eux, Fox? Moi, je pense pas que c'était eux. Mais quoi, je suis fou. Bien sûr que c'était eux. Obi, t'en penses quoi? T'as c'était eux ou pas? Becca, il avait pas les cheveux gris, frérot. Mais wesh, les gars, c'est bidon une teinture. Tout le monde peut en faire une. Wesh, ça traumatisé sa teinture, les gars. C'était eux, je suis persuadé que c'était eux, frérot. Là, on devrait se concentrer sur un truc plus important. Comme par exemple, pourquoi le deal n'était pas avec eux. Genre là, Zama, Becca, il était tout seul à l'aéroport avec Julie. Ok, il la menace, etc. avec ta famille. Mais quand même, tout seul. Y'a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils sont rentrés en France? Ah, frère, c'est simple. Là, pour lui, il a tué Aiden, c'est pas tard. Ça veut dire, il se dit quoi? Il se dit, je prends aucun risque, je rentre en France. En tout cas, je préfère les savoir en France qu'au Maroc. Non, moi, je préfère les savoir à côté de moi, je te jure. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est la guerre. Fort, je suis d'accord avec toi. Ils ont kidnappé ma femme. Ils ont kidnappé mon petit frère. Ils ont kidnappé mon fils. Et ils ont essayé de le tuer. Là, c'est nous contre eux. Si on réagit pas maintenant, on va tous y passer. Y'a rien qui peut les arrêter. À part la mort. Putain. Tu peux me dire pourquoi on s'est garé là? Comment ça, il est vivant, lui? Qui est vivant? Je suis pas fou, mais il l'a étranglé devant moi. Étranglé qui? C'est-à-dire ce guignol, il a même pas vérifié si Aiden était mort. Quoi? Vous avez essayé de tuer Aiden? Mais vous êtes des malades ou quoi? Mais ça tourne pas rond dans vos têtes? Mais vous pensez à quoi pour vas-y, ferme ta gueule, toi! T'as l'impression qu'on est copilote pour me parler comme ça? T'es là, tu me casses la tête, là! Aldé, t'es où, là? Faut qu'on s'attrape. On a des choses à se dire. On se casse, là, avec les petits à côté, là. Tu veux les kidnapper aussi? Mais tombe pas. Vas-y, dis-moi, frérot, je t'écoute. T'as vu, y'a pas de soucis, on leur fait du sale, tout ça. Ok. Mais par contre, on joue pas avec la vie de Julie. T'as vu, je veux pas qu'il lui arrive un truc. Toi-même, tu sais, c'est une famille de fous, on sait pas de quoi ils sont capables. Je veux pas qu'ils fassent du sale à Julie, tu vois. Ok, je comprends. Je te rassure, frérot, on va faire le maximum pour les biens de Julie. On est une famille. On est ensemble. Donc ça bouge pas, t'inquiète pas. Je te jure, quand j'y repense, je me dis je l'ai abandonné. Eh non, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Mais à quelle heure tu l'as abandonné? Bien sûr que si, j'aurais dû la protéger, frérot. Je suis un homme. Je dois protéger ma femme. D'où elle se fait kidnapper comme ça devant mes yeux? Mais c'est pas ta faute, frérot, c'est eux, ils étaient bien organisés. Mais. Comment tu pouvais le savoir? Toi, t'as fait ce qu'il fallait. T'as voulu les aider, et voilà. J'ai pas su la protéger, c'est tout. Dis pas ça, moi, Fola. Je te jure, je m'en veux, frère. Petite, elle me regarde dans les yeux, elle me dit maman. Je lui dis quoi? Voilà, elle a plus sa mère. Moi, je suis là, le soir, je m'endors. Je me réveille, elle est plus là. Je cogite. Je vais pas vivre sans elle, moi. Ça fait des années que je suis avec elle. J'arrive plus à vivre sans elle, frérot. Je suis perdu. Je suis un homme sans sa femme. Oh, tu parles à moi. J'ai plus ma femme. Je sais très bien ce que c'est. À l'heure où je te parle, regarde, on est où? Il y avait Aïcha. Vous passez à la maison avec Julie. Il y avait mes frères, il y avait tout le monde. Tout allait bien à cette époque. Mais tout a changé. Maintenant, on doit faire avec. On doit juste faire en sorte que tout se passe bien. On n'a plus le choix. J'ai cogité toute la nuit, j'ai une solution, frérot. Et elle est simple. C'est quoi? Je vais payer, c'est tout. Quoi? Ils veulent de l'oseille. Eh ben, je vais leur donner leur oseille de merde, et moi, je vais récupérer ma femme. Et toi, tu crois vraiment ils vont te rendre Julie? Bah ouais. Mais frérot, comme t'as dit, c'est des fous. Mais y a pas de solution, frère. Mais frère, ok, on est au pied du mur, mais c'est pas la bonne solution de les payer. Tu te rappelles pas comment c'était avec Blunt? On a payé, après, c'est passé quoi? Des intérêts, intérêts, des intérêts. Et il a tué Aïcha. J'espère qu'il va pas se passer la même pour Julie, frérot. Mais c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Non! C'est pas la bonne solution, frérot. Bah c'est quoi la solution, frère? Je sais pas. J'ai perdu, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Écoute, frérot, on arrive toujours à trouver deux solutions. On a retrouvé Aiden. À quel prix? Mais on l'a retrouvé. Et ça sera pareil pour Julie, t'inquiète pas.
Je sais pas quoi faire. Frérot, il faut bouger au salon, il y a le nouveau coiffeur qui vient d'arriver. Ok. Mais tu gardes Léa, toi, c'est ça? Et qui pour garder Aiden? Léa Fox. Fox. Ah, je suis pas sûr. Mais non, frérot, arrête, il a compris, ça y est. Ok. Frérot, on s'appelle, d'accord? Vas-y. T'inquiète, vas-y. Je suis occupé au but. Ça va, tu vas bien? Antonio, comment tu vas? Ça va super, et toi? Prêt pour ton premier jour? Moi, je suis prêt, je suis là. Ouais. De toute façon, j'ai vu que ta période d'essai s'était super bien passée. Tes coupes, c'est carré. Ouais, ça fait plaisir. Je t'invite à faire l'ouverture avec moi. C'est bon, on y va. Allez, c'est parti. C'est comment là? Il arrive quand, ton Zinco? T'inquiète, il va pas tarder. En tout cas, je vois entre temps, tu t'es fait plaisir avec le cambu de Hassan. Pas mal. Et toi, t'as fait quoi avec l'étale? Moi, tu connais mon rêve, j'ai investi. T'as investi dans quoi? Dans les bœufs. C'est de ma gueule ou quoi? Bref, là, parle-moi de ton cousin, là. Hey, c'est la famille. Je vais le mettre dans nos plafonds. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de mélanger la famille et les plafonds? C'est la famille. On peut lui faire confiance, t'inquiète pas. Tu me fais pas confiance, moi? Tu racontes. Bien sûr que je te fais confiance. Bah tiens, il est là. Bien quoi, mon zinc? Ça va ou quoi, mon cousin? Comment? Bien. C'est comment? Ça a été la route? C'est carré, frère. Écoute, je te présente Angelo, c'est avec lui que je fais tous les plafonds. En tout cas, je vois que ça marche bien. Ça a été Claudie. D'avis, mon cousin. J'espère pour toi que tu vas en parler à personne, en tout cas. J'aime pas le ton que tu prends avec moi. Ah ouais? Hey, Angelo, je te dis quoi, là? C'est la famille, t'inquiète pas, je vais le briefer. Ouais, ben brief bien ton zinco, là. T'es bouillant, mon cousin. Très bien vu, s'il lui fait le bonhomme avec moi. Je le dis cas, je le sens pas. Moi, je vais juste passer un appel et je suis à toi. C'est bon? C'est bon, j'ai arrangé. Ouais, bon. Ouais, salam, frérot, tu vas bien? Non, moi, ça va pas. Je suis dans la merde. Je peux pas t'expliquer tout de suite. Faut que tu me dépannes de l'argent. Combien? 50K. Ouais, je sais, c'est énorme. Mais j'ai pas le choix, frérot. Faut que tu me dépannes. Tu peux pas, t'es sûr? Ok, vas-y. Bah, vas-y, je vais me débrouiller, je vais trouver quelqu'un d'autre. Je vais essayer. Vas-y. Ah, retour en redma, frérot. Charbon. Ouais. T'as vu les coupes d'Antonio? Franchement, il est bon, t'avais raison. Il est bon. Hein. Ah, c'était dur de trouver quelqu'un aussi fort que Farouk. C'est vrai. Ça, je t'en prie, frérot. Antonio, ça dit quoi, mon ref? Ça va, tu vas bien? Antonio, ça va? Ça va, Christian, tu vas bien? Tranquille? Tranquille. Nickel. Ça va. Hein. Alors, ce premier jour, ça se passe? Franchement, c'est vraiment beau, gosse. Vous avez fait du bon travail. Hein. C'est gentil, merci. Merci. On a vu tes coupes, toi aussi. Hein. C'est carré. Ouais. Hein. Ça t'a plu? Non, vraiment, t'es bon. Bien vu, merci. Farouk, il est en bas? Ouais, il est en bas. Vas-y, on y va. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Dis-moi. Farouk, depuis ce matin, il est un peu. Bizarre? Non, pas bizarre. Il est un peu. Comment t'expliquer? Tendu? Non, on dirait qu'il a la tête ailleurs comme ça. Et pourquoi tu dis ça? Je sais pas, depuis ce matin, je le vois, j'écoute, j'y réfléchis. Je sais pas, il est un peu bizarre comme ça. Ok. Voilà. Il est en bas de toute façon? Ouais, voilà, il est en bas. Ah, on va le voir, tranquille. Vas-y. Je te remercie. Vas-y, pas de soucis. Bienvenue chez le CED en tout cas. Vas-y, merci, ça fait plaisir. Bon, force. Merci. Farouk? Ça va ou quoi? Ça va? Tranquille? Tranquille. Ouais, ça va, hein. Sûr? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais, ça va. Ouais. T'as pas la même tête que d'habitude, hein. Ben si, ça va.
Vous savez quelque chose? Pourquoi on devrait savoir quelque chose? Bah en fait... En fait quoi? J'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, en brèche, frérot. Hein? Je me suis fait voler l'argent qu'il y avait dans le salon. Temps gagné, 2 minutes. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? T'as bu ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est une blague. Ah, c'est une blague. Tu t'es rien fait voler, alors? Bah si. Comment ça tu fais voler? Attends, tu parles sérieux, là? Comment ça, temps gagné, je sais pas quoi? De quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? T'as pété les plombs ou quoi? Elle est où l'argent du salon? Bah, en fait, y'a deux mecs qui ont débarqué cagoulés, avec une épée, une matraque. Mais ça s'est passé quand, ça? Ça s'est passé quand? C'est maintenant que tu nous le dis? Pourquoi tu nous as pas appelé? Même si on est au Maroc, appelle-nous, frérot, préviens-nous! Ça s'est passé trop vite. Attends, t'as attendu qu'on soit ici pour nous prévenir? Wesh, Farouk, t'es sérieux? T'es quelqu'un de responsable normalement, non? Je suis désolé, je sais que c'était ton argent. Non, justement, c'était pas mon argent! Comment ça? C'était l'argent d'Obi! Ok. Putain, Farouk! Ah, j'ai envie de te monter en l'air avec ta teinture là! C'était pour mon petit frère, cet Osei! Pour payer ses études en Turquie! Dommage. Comment ça, dommage, Farouk? Des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès, frérot. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Ouais, bah t'as merdé, là. J'ai vraiment merdé. Et à faire comment, maintenant? Je m'excuse, ok. C'était une putain de grosse somme, Farouk. T'avais juste un truc à faire, nous prévenir. Mais attends, en vrai, on a les caméras qui fonctionnent, non? Ça fait une semaine qu'ils fonctionnent plus. Et ça aussi, tu me l'as pas dit? Putain, Farouk. On la force, frérot. Je suis vraiment désolé, Hassan. Bien que tu sois là, toi. Un coup de gaz-gaz. Tu es quoi, toi? Je vais te parler français. Je t'aime pas. Moi aussi, je t'aime pas. Je m'en bats les couilles que t'es le pote de gaz-gaz. Mêle-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes. Ça tombe bien, ça. J'allais te le dire, moi aussi. J'en ai rien à foutre que tu sois le cousin de gaz-gaz. Ah, une dernière chose. J'ai pas kiffé le ton que t'as employé avec moi la dernière fois. Plus jamais tu refais ça. Sinon quoi? On attend quoi ici? On va pas rester ici. Hein. Non mais on reste pas ici, il fait froid, je vais être malade. Tu crois que j'ai quelque chose à foutre moi? Mais tu vas faire comment si je suis malade? Je vais être chiante. Oh non, m'attache pas! T'as pas besoin de m'attacher! Mais tu vois bien que t'as pas besoin de m'attacher! On voyage ensemble, on fait tout ensemble maintenant! T'as pas besoin de m'attacher, putain! Mais en plus tu me fais mal! Tu me fais mal, mais franchement t'as pas honte! T'as pas honte de faire ça à une femme là? Tout ce que tu me fais subir, putain! Putain, mais t'as pas de valeur, t'as pas de principe! Putain, vous avez pas de couilles en fait! Pourquoi vous faites ça en fait? Pour l'argent? Fallait me demander! Si t'avais besoin d'argent, je t'en aurais passé moi de l'argent! Y'a pas besoin de kidnapper Julie et Aiden! Et Ali! Y'avait pas besoin! Franchement, ça avait pas coûté plus cher tout ça? Je t'en aurais passé de l'argent! Clochard va! Putain! C'est le dé qui t'écrit encore? Hein, il veut quoi? Il veut quoi cette fois? Il appelle son chien. Comme ça se ferme ta gueule, toi! Ça te blesse? Ah, ça te blesse? Bah oui, mais attends, t'es au courant que t'es le chien du dé? T'es son petit toutou. Hein? Becca, fais ci! Becca, par là! Becca, Becca! Ferme ta gueule, Gigi! Tu comprends pas ou quoi?
imaginant que certains jouent avec le feu, voire même avec la mort. D'autres culpabilisent. Des gens mijotent des choses contre vous, sans que vous le sachiez. Le gars, c'est qui là? C'est maman? Des proches nous manquent, et on peut rien y faire. Oh là là! Putain! Eh ben, ça te touche bien ça, hein? Ouais, t'es le chien du dé. T'es son gros chien. Tu vois son chien? Bah t'es le gros chien du dé. Voilà. Ah, ça fait mal ça, hein? Hein? Wouf! Wouf! Béka, wouf! Wouf! Je te montre, c'est quoi un chien de la casse? Qu'est-ce que tu fais là? Une somme d'argent peut tout faire basculer et créer beaucoup de problèmes. Même si c'était pas notre argent de base. Et faites attention à vos proches. Papa, il va récupérer maman. D'accord? Arrête Becca! Arrête Becca! Baisse ton arme! Baisse ton arme, Becca! Car ça peut être les pires. Baisse ton arme, arrête! Ta gueule maintenant! Baisse ton arme! Baisse ton arme, putain! Non. Me dites pas que Julie aussi est. Pour le paper, je donne plus de sang qu'humain. Je remplace mes battements.